Tuez-vous, on va se faire opérer. Bon, là, aujourd'hui, examen. Oh, supérieur officier. Vous faites-moi les marioles. Hors de question, c'est moi votre maîtresse aujourd'hui. Non, c'est bien. Bon, vous allez m'écouter sagement et tout ira bien. Allez, salut, c'est moi votre maîtresse. Oh non, c'est la fin, non. Ah, ça dégage. Bonjour tout le monde, je suis Miss Circle et je serai votre professeur aujourd'hui. Et vous êtes censée être qui? C'est qui elle? Commençons avec un exercice simple. Et voilà, 1 plus 1 est égal. Alors, 1 plus... Oh, mais je connais la réponse. Génial, alors viens écrire la réponse. Oui. C'est une équation simple. Oui, tu bien. Tu peux y arriver. Oui, voilà. Hein? Quoi? Zéro? Désolé. Mais tu connais pas ta leçon, en fait? Non. Mais parce que j'ai joué à Fortnite... Je déteste les mauvaises réponses. Oui, d'accord. Ah oui, oh, c'est pas vrai. Voilà ce qui vous attend si vous avez tort. Alors, qui va régler le problème? Pas moi. Tu vas au tableau. Me tapez pas, j'en fais un très délicat. Pauvre chaton, tu vas y arriver, sinon tu vas voir ce qui t'attend. Oh bon sang, je peux le faire. Je peux pas le faire, je suis trop petit. Oh, tu plaisantes. Tiens, une chaise. Oh, merci, madame. Oui, oui, maintenant résous l'équation. Oui, 1 plus 1, ça fait... Un coup de main? Ça fait 2, tu peux le faire. Oh, mais oui, je suis trop bête. Allez, j'ai pas tout mon temps. Et voilà, problème résolu, quoi, madame. Dites-moi que je rêve, qu'est-ce que c'est ça? Tu as échoué. Mais comment? Flambeau, je pensais qu'on était potes. Tais-toi. Attends, ouais, c'est ça. Ne dis pas que t'as voulu tricher, parce que là, ça, c'est quelque chose que je déteste, tu vois. Allez, je déteste les... Ok, le problème est résolu. Voyons voir pour quelqu'un d'autre. Non, madame, je sais pas du tout de quoi vous parlez, s'il vous plaît. Toi, est-ce que t'as aidé Katnap? Non, madame, je vous le jure, j'ai dit la vérité. Ok, alors je te fais confiance. Vraiment? Maintenant, va au tableau et résous le problème. Oui, madame. D'accord, vous voyez, la réponse est simple. C'est 2. Quoi? Oui, bravo, bravo, c'est ça. Maintenant, on va voir si t'es si intelligent que ça. Résous ce problème. Voyons voir. 1, 2, 3. Tu vas jamais y arriver. Je connais la réponse. Quoi? C'est facile, je vais l'écrire. Hein? Est-ce que c'est... T'as qui ce téléphone, là? C'est pas moi. Non, oh mince, c'était... Donne-le-moi. Je devais être sur silencieux, désolé. J'ai pas fait exprès, je veux c'est pas ma savoir. Maman qui doit on m'appeler. On n'a pas de téléphone dans ma classe. Ça n'arrivera c'est plus. Clair. Non, c'est, je vous promets. C'est ma classe et mes règles. Malheureusement, tu les as enfreintes. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, c'est clair comme fais de... Fais ton job, c'est ta dernière chance. Quoi? Toi, tu prends sa place et toi, tu vas t'asseoir. Allez. T'as entendu, hein, madame? Ok. Bon, je vais utiliser ma calculatrice, non? Ça sera plus simple. Alors, attends voir, c'est encore de la triche, ça? Non, c'est juste pour m'aider un peu. Oh, pauvre mais... petit, c'est ça non. ton excuse? Oh, mais sérieusement, je tu penses que ça va passer? Tu vas voir, j'aime pas les tricheurs. Bon, donc, tu vas rejoindre tes autres copains. Dehors. Quelle journée, cadavre! Ah, encore un! Est-ce que quelqu'un peut me résoudre ce problème? J'ai faim, je suis désolé, je vais manger un peu de brocoli. Ça vous dérange pas si je mange un peu? Pas de nourriture dans ma classe. Mais c'est juste l'heure du brocoli. Tu ne vas pas les manger ici. Bah je vais les manger. Ah ouais, génial. Tiens, voilà ce que j'en fais de tes brocolis. J'ai mangé mes brocolis. Maintenant tu vas résoudre le problème de maths. Non, je suis trop affamé. Tu vas le faire, sinon tu vas voir. Ok, bon, je vais essayer. C'est un beau garçon. Oula, il n'y a pas plus simple. Bon, voilà, ça, c'est la bonne réponse. Décale-toi pour que je vois la réponse. Brocoli. Mais je suis face à une classe de débiles ou quoi? Oh, mais Circle, non, mais c'était pour rigoler. Je vais t'apprendre. Aïe. Bon, ça suffit, j'en ai marre. Jumbo, attrape ça. Quoi? Oh, un brocoli. J'ai dit pas de brocoli, c'est un... trop bon. Ah, j'adore les brocolis. Oh, ça, c'est voir. Bon brocoli. On pas si cher mon brocoli. C'est l'air de la baston. Ok, je suis prête. Ah ouais, moi aussi. Ah, attrapons-la, les gars. Je déteste les enfants, je déteste donner des cours. Vous allez voir. Fallait pas m'énerver. Tu crois pas qu'on ferait mieux d'essayer d'aider? On devrait endormir. Ouais, mais on va les aider. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes sauvés, super. C'est la prof. Alors, fais-moi les mains maintenant. Je vais vous
vous apprendre une petite leçon. Et celle-là, je peux vous assurer que vous allez vous en rappeler. Non, nous fais pas de mal. J'ai fait ce qui est le meilleur pour vous, croyez-moi. Ça suffit, on en a marre des leçons. C'est pas vrai, c'est ma classe, mes règles, tu vas rien faire. Peu importe, allez, prends ça, viens. Ouais. Va-t'en d'ici. Tu nous apprends la négativité. Aïe. Y'en a marre. Oh, j'ai envie de dormir. Qui enfreint les lois et les règles de cette école? Oh, viens mais là. J'ai rien fait. Ça va lui apprendre. Bien joué, monsieur. Ouais, merci, monsieur. Bon, allez, surprise. Examen. Tous en prison. Non, on va bien se marrer tous ensemble. Allez, c'est tout ce que vous méritez. Où est-ce que tu vas payer pour ce que t'as fait? Comment ça, ma classe, un bazar ou comme ça? Vous inquiétez pas, je vais régler ce problème. Tout le monde, silence maintenant. Je suis désolé, vraiment. Voilà, c'est voilà, super, continuez comme ça. Maintenant, regardez bien l'exercice. Chaque partie va sur un corps. Ouais, c'est chiant. Oh, qui a jeté ce bout de papier? C'est lui. Non, mais j'ai rien grandis fait. Grandis enfin et viens faire l'exercice. Oh, t'es qu'un couillon. Pardon. Quoi? Non. C'est pas vrai. L'exercice, ça a l'air compliqué, madame. C'est pas mon problème, fais-le. Oui, ne vous énervez pas, je vais réfléchir. Enfin, j'y arrive pas trop, mais... Ça peut aller avec... Je comprends pas. Tu peux le faire, garde. Ah, finalement, j'ai une idée, oui, c'est ça. Oh, tu plaisantes. Oh non. T'as échoué le test. Ah bon, mais j'ai tout donné pourtant. Flambeau, viens régler le problème. Ouais, ça va être trop facile. Oh, pas lui. Oh, attends une minute. Vous devez vraiment être stupide pour ne pas vous rappeler des visages des gens que vous voyez absolument tous les jours. Et voilà, c'est fait, c'était trop facile. Quoi? Justice rendue. Mais tu plaisantes, enfin, t'as échoué. Mais, désolé. Oh, trop nul. Je suppose que je peux y arriver, forcément. Mais mes mains sont trop grosses. Waouh, Jumbo, laisse-moi t'aider, mon vieux. Oh non, pas toi. S'il te plaît, pas okay, toi. Ok, mon vieux, à tes ordres. Lequel je bouge en premier? Ma bouche va avec mon visage. Ok, comme ça, tu veux dire... J'ai pas dit ça, t'es bête. Le bec sur ton visage, mais compris. Tu vas tout me faire rater. Oh, allez, tu on se dépêche. Tu m'as ruiné mon exam. Ok, c'est fini, le temps est écoulé. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais madame, il a pas écouté. Vous êtes vraiment stupide. Oh, c'est injuste. Ok, à mon tour. J'ai étudié toute la journée, donc ça devrait être facile, vous ne croyez pas? J'espère bien. Comptez sur moi, je suis le meilleur, mais... Quoi? Qu'est-il arrivé aux autres pièces? Quelqu'un les a volées? Bah, je croyais que tu savais. Je vais t'avoir, Ban-Ban. On va voir ce que tu peux faire contre une machine infernale. Waouh, mais tu es fou! Hors de question qu'on dérange ma classe. Voilà, reste dehors. Oh non, bon, qu'est-ce que vous faites là? Personne ne se venge. Oh, je suis fatiguée, asseyez-vous. Madame, j'ai passé toute la journée à dessiner, alors je peux vous le faire sans problème. Ah, t'es foutu. Désolé. Plus fort que prévu, me touche pas. Viens, donne-moi la main, j'ai pas senti ma force. J'ai pas besoin de ton aide. Retourne t'asseoir, alors. Bravo, t'as réussi. Oh ouais, bravo. Oh, allez, mais qu'est-ce que tu fais? Je dors. Va au tableau, fainéant. Allez, viens ici. Oui, j'arrive. Je suis au top. Voyons voir. Oh non, ça va pas se passer comme ça. On ne triche pas. Oh, Opila, qu'est-ce que t'as fait? Viens là. Laissez-moi, j'ai pas peur de toi. Qu'est-ce j'ai que tu crois? J'ai bouffé. Non, ne la mange pas. Oh non, là, j'ai pas mérite, peur. Tu mérites, hein. Oh là là, ma classe, c'est encore le bazar. Tout ça, c'est ta faute, enfin, t'as pas vu. J'appelle la police. Quelqu'un m'a appelé? Allez, ça va te calmer, en cage. Mais je suis innocent. Je protégeais mes amis, non. Ok tout le monde, la classe est finie, rentrez chez vous. Mais j'ai pas fait le test. Et moi non plus, je l'ai pas fait. Je suis pas assez payé pour faire des heures sup, au revoir. Au moins, c'est bien amusé. Ouais, c'était pas mal. Allez, à la récré. Ouais. Pep, les deux, là. Vous allez me nettoyer la classe et que ça brille. Ça, c'est pas amusant du tout, par contre. Ah ouais, je confirme ça. Prendre des plombs. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Le mien aussi, ma chérie. Bienvenue au mariage de Ban-Ban et Ban-Banila. Embrassez-vous qu'on en finisse. Oh, je suis si heureuse. Moi aussi, j'ai tant attendu ce jour. Arrêtez ce mariage tout de suite. Quoi? Oh Dieu, mais comment es-tu encore en vie? Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Que se passe-t-il? Confus. Oh.
ce n'est qu'un imposteur qui se fait passer pour moi. Et mec, t'as pas le droit de ruiner ce mariage. Tu vas payer pour ça. Mais non. Oh. Mais c'est pas la vérité. C'est terminé. Je suis le vrai Ban Ban. Écoutez-moi, c'est vrai, c'est lui le vrai Ban Ban. Merci. Pas lui, lui c'est un traître. Mais de quoi il parle? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit de ruiner ce mariage. Tu vas payer pour ça. Écoutez tous, je vais vous raconter. Non, tu n'as rien dire, sale menteur. Tu as raison, le sceau va donner la vérité. Quoi? Oh non, je peux tout expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, Flambeau? C'est vrai, c'est lui l'imposteur. Non, mais je suis meilleur que lui. C'est pas ce qu'ils vont penser quand je vais tout raconter. Oh, Bambalina, tu es si belle. Encore un petit peu de parfum. Si elle aime le parfum, je suis sûr qu'elle adorera tes fleurs. Bonjour, Flambeau. Oh, c'est pour moi, merci, pour toi. C'est trop mignon. Ah, je suis sûr que je vais faire un malheur avec ces chocolats. Oh mon Dieu, j'adore les chocolats. Tiens, c'est pour toi. Tu me connais si bien. Ah bah oui. Non, mes fleurs. Regarde ce que t'as fait, stupide démon rouge. Bambalina. Oh, j'ai aucune chance, on dirait. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, c'est parfait. Oui. Hey, je veux cette peluche. Oh. Combien elle coûte? Ils sont à 1 million d'euros. Vous voulez payer maintenant ou en 10 fois? C'est beaucoup plus cher que ce à quoi je m'attendais. Oh, Lionel Messi! En quoi ou ça? Continue de regarder. Et revenez. Ah, ça c'est un super bouquin. Un cadeau pour toi. Oh, merci, j'adore ma les douceur, peluches. Je t'ai acheté. Oh, j'y crois plus pas, gros. J'adore les mignons. Ah, je suis sûr que tu l'aimes. Bien beau comme j'aime. Et ma peluche. Rendez-moi la peluche si vous pouvez pas la payer. Et lui, tourne de moi. On fait un petit selfie. Oh, par contre, j'ai faim, là. D'accord, j'ai une super idée. Et c'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé. Flumbo a volé la caisse de brocoli. Mais ce n'est pas tout. Il a continué en vous volant chacun d'entre vous ici. Ah! Et toi, t'as volé ma nourriture? Ça te fait marrer? C'était un plan diabolique. Il a semé la panique dans tout le Garden Ban Ban. Bambalina, j'ai une surprise pour toi. C'est pour moi, c'est merveilleux. Oh, t'es si gentille. J'adore les burgers, c'est mon repas préféré. Oh oui, mange bien tout. C'est pas bon pour mon régime, mais bon. Flumbo attendait avec impatience que Bambanila mord dans ce burger, mais... Désolé, ce burger, c'est le mien. Non, qu'est-ce que t'as fait? Je croyais que c'était toi qui les avais fait, quoi? Oh, désolé de t'importuner, mais... J'ai pensé qu'un dîner romantique serait plus dans ton standing. Allez, viens, allons profiter. Pourquoi est-ce que tout ce que je t'ai foire? Je suis dispo pour une date. Ne touche pas. Tu me fais craquer. Viens ici, donne-moi un baiser, vite. Alors, heureuse. Oh, j'ai bien mangé, merci. Je voulais te remercier pour tout ce que t'as fait pour moi aujourd'hui. Oh, tu sais, c'est pas grand-chose pour toi. Je fais n'importe quoi. Oh, t'exagères. Même me marier avec toi? Bambanila, veux-tu m'épouser, moi, Bambam? Oh, c'est pas vrai. Non, n'essaie même pas. Fais de moi l'homme le plus heureux de la Terre. Oui, encore oui, Bambam. Oh, je t'aime, on va être si heureux. Je t'aime tellement. C'est pas possible, la fille de mes rêves avec cet imbécile de démon rouge. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Qu'est-ce qui le rend différent de moi? Réponds-moi à sa ordure. Je vais mettre fin à ta vie. Attends une minute, j'entends quelque chose. Elle a dit oui, c'est le meilleur jour de ma vie. Ce salopard va payer pour ça, je le jure. Oh, c'est une si belle journée. Qu'est-ce qu'il y a, Flumbo? Je me sens super bien parce que je vais épouser Bambalina aujourd'hui. Quoi? Mais tu débloques, c'est moi qui vais l'épouser. Elle a choisi. Pour elle. Je suis attaché. Tu vas mourir et je vais devenir son roi. Bambalina ne se mariera pas avec un loser comme toi. Tout le monde s'en fiche. Mais si tu veux savoir, je vais devenir toi. Et on ne remarquera absolument rien. Parce que je suis meilleur. Le rouge me va si bien. Quoi? Sale imposteur, comment tu peux faire ça? J'aimerais continuer comme ça, mais je vais être en retard à mon mariage, dites donc. C'est moi où il commence à faire chaud ici. Oh, mais non. Oh non, le four! Non! Je me tire! C'est ainsi que j'ai failli brûler. Bébé Opila m'a sauvé in extremis. Allez, il faut reparer tout ça. Je crois que j'y arrive au bon moment. Ah ça oui! Merci bébé Opila. Voilà toute l'histoire et la seule vérité. C'est n'importe quoi, il faut qu'il paye. On dirait que je suis encerclé. Que personne m'approche, ou sinon je la tue d'un seul coup. N'y pense même pas. Ouais, chaton. Je suis prêt à toujours manger les êtres inférieurs. Oh, quoi? Non, comment Flumbo peut l'appeler?
discutons un peu. Non, pas ça, non, on en discutait. Arrête. Je vais te réduire en bouillie. Merci, Jumbo, tu m'as sauvé. J'ai pas réussi. C'est impossible. L'amour, ça fait mal. Ah, t'es une Wonder Woman, tu te bats? Bien sûr que je sais me battre. Je m'entraîne depuis que j'ai 6 ans. Oh, je t'aime encore plus, alors, du coup. On va finir comme ça. Je vous déclare mari et femme. Mon beau, cette fois-ci, c'est la bonne. Oh, c'est bon, l'amour. Pardon d'être à la boue. C'est toi la nouvelle élève? Comment tu oses arriver en retard dans mon cours de maths? J'ai loupé le bus. Faut pas être agressive. J'espère que ce sera la dernière fois. Ah. Allez, va t'asseoir. Oh, pis, c'est bon. Oh, comme c'est chiant. Salut, mon chaton. Personne ne peut ruiner ma vie. Mais tu peux ruiner ma vie quand tu veux, princesse. Silence. Qu'est-ce qui se passe à moi? Tu ne peux rien y faire. Cadenas, sale menteur, elle est à moi. Mais les gars, peace and love. Mignonne, belle qu'un brocoli. Ah, vous êtes dans le love. Silence dans mon cours. Combien de fois faut que je le dise? Bon, aujourd'hui, contrôle de mathématiques. Matéro, surprise. Ah, oh, mais j'y connais rien, moi. Et je vous ai à l'œil. Si l'un de vous essaie de tricher, j'aimerais pas être à sa place. J'ai trouvé. Quelle intelligence, player. Et toi, est-ce que t'es en train de tricher? Montre-moi ce que t'as dans la main. Je vais tout rater, je vais rater ma vie. Non. Je peux t'aider sans problème. Toi, tu te tais, on n'aide pas les autres non plus, sinon c'est considéré comme de la triche. Et tu vas être puni si tu triches. Bon, j'ai presque... Hé, hey, attends une minute. Pas. Ça part en vrille, je vais tout rater. J'ai une idée. Si je le fais très bien, je suis sûr qu'elle le résoudra vite, qu'elle m'aimera à la fin. Je ne veux voir personne tricher ici, c'est bienvenue clair. Bienvenue dans l'année 2024. Ban, ban. C'est un téléphone que je vois là, reviens ici. C'est le moment. Allez, elle sera à moi. Player, pourquoi? C'est juste que t'es sur mon chemin, alors je te dégage. Oh, Player. Hé, Claire, je t'ai fait ton examen, t'as plus qu'à le donner. T'es si gentil, tu me sauves la vie. Le pauvre... J'étais celui qui allait t'aider, hein? Ok, tout le monde, c'est bientôt la fin. Attendez, il y a une ambiance bizarre. Où est Catnap? Quelqu'un l'a vu? Ça commence à devenir trop dangereux. Je dois me cacher d'elle et attendre qu'elle se calme un peu. Catnap, où te caches-tu, mon petit chaton? Il est derrière toi? Non, mais c'est... Je vais être sûr, pousse-toi. Il s'en est fallu peu. Où est ce chat? Trop simple. Vous savez même pas vous cacher, bande d'imbéciles. Oh, quand je vais mettre la main sur toi, je jure que... Attends, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est, cette peluche? C'est pas Catnap. Hey, Miss Circle. Oh, bonjour, professeur. Oh, vous me cherchiez? T'es où, hein? Ok, ça va passer pour cette fois. Eh ben, je suis content de le savoir. Ouf, il s'en est fallu peu. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Bizarre, ne me dis pas que t'as triché. T'as triché? Je cherchais mes gâteaux, c'est tout. Oh, c'est mon préféré, j'adore les Oreos. Je l'ai jamais dit, mais tu connaissais mes goûts, à ce que je vois. Super, mon plan a marché parfaitement. Maintenant, j'ai plus qu'à résoudre ça, et puis c'est bon. Bon sang, elle me terrifie. Oh là là, j'ai pas les réponses. J'y arrive pas, je vais réussir. Trop facile, quoi, Claire? Mes réponses ont disparu. Qui a fait ça? Ne t'en fais pas. Je suis là dans quelques secondes avec une solution extraordinaire. Et voilà, c'est fait. Et il y a même ma petite signature dessus. Oh, bonjour, Miss Circle. Quelle magnifique journée pour faire une interro de manière totalement légale. Hein. Ok, c'est le moment d'agir. Vas-y, l'avion, aide-moi à la sauver. Non! Pitié, non! Oh, mon œil! Oh, ça fait mal! Oh. Arrête de faire du bruit, gros balourd! T'essaies de tricher, c'est ça? Rien fait, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, regardez! Fais-moi voir ça! Qui a lancé cet avion, enfin? On n'est pas dans la cour de récré! Allez, Catnap! Calme-toi! Flambeau! Je sais que c'est toi qui as acheté cet avion papier, mec! Arrête de faire semblant! Non, Flumbo, me dénonce pas, je t'en supplie. Eh bien, pour acheter mon silence, il y a trois conditions. Premièrement, les réponses. Ouais, bien sûr, tout de suite. Juste garde ta bouche fermée, tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît. Seulement si tu m'aides. Deuxièmement, du fric. Oh, ok, c'est tout ce que j'ai, vas-y, prends-le. Et enfin, je prends Claire. Quoi? Non, il n'y a plus de marché. Alors, ok, très bien, tu l'as cherché, je vais lui dire. Non, attends, qu'est-ce que tu fais? Attends une minute, tu peux pas parler? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de bruit dans ce côté de la classe?
C'est lui qui a acheté l'avion. Hein? Quoi? Non, sale menteur! Alors c'était toi, c'est ça? Dégage de ma classe! Ah, je déteste les tricheurs. Oui, c'est clair, je te donne la réponse si tu m'embrasses. Non, merci. Lâchez-moi! Hé, tu retournes t'asseoir, hein, Nico? Oui, je viens de finir mes circles. Je vais avoir... Fais-moi voir ça. Je vais te corriger. Je vais te rater, je vais tout échouer. Comme c'est bête. Attends une seconde, est-ce que c'est ce que je crois? Professeur, il était en train de tricher. Tu crois que je suis stupide? Oui, bien sûr. Non, je veux dire non. Bon timing. Claire, c'est notre dernière chance. Écoute-moi bien. Oh non, mes circles. La première, c'est... J'utilise plus, je vais péter. La seconde... Dégage de mon plus violente que Trotster. Je déteste les losers. Et la troisième? Trop facile. Ok, il est en train de ramasser des copies. Tu y es presque. Donne-le-moi, Jumbo. Mais je suis arrivé. Super. Oh oui, merci madame pour votre patience. Bon, je vais corriger ça. Oh, merci Katia. Tu le mérites. T'es un adorable mignon petit chaton. Player Dog Débrouchy Tap Jumbo. Et qu'est-ce que c'est ça? Catnap et Claire? Vous croyez que je suis stupide? Quoi? Qu'est-ce qui va pas? Vous avez fait les mêmes erreurs, enfin. Vous êtes de sombres crétins, de sombres tricheurs. Non, c'est pas vrai. Vous c'est allez pas voir, ça. On n'a pas triché. Va être horrible. Et c'est parti. Oh, peace and love. Comptez pas là-dessus, sale folle. Qu'est-ce que tu fais, Catnap? Retourne t'asseoir. Claire, enfuis-toi. Merci, chaton. C'est tout ce que je voulais entendre. Prenez ça, la professeur fou. Oh non, je suis en danger. Où est-ce que tu penses aller? Reviens ici. Vite, Catnap. Ne t'arrête pas. Vous allez voir les enfants, vous allez pas pouvoir courir longtemps. Je vais me venger. Fallait pas tricher, je l'ai dit plein de fois. Revenez. Allez, on y va, dépêche-toi. Vous allez le regretter. Arrêtez de courir. Catnap. T'arrêtes pas. Non, c'est l'heure de ma vengeance. Je ne veux pas. Non. Quelqu'un m'a appelé pour embarquer la professeure folle. C'était moi. Oh, merci. Je vous ai appelé parce que cette femme est complètement folle. Que réfléchir là-dedans? Je veux pas être méchant, mais est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien grâce à toi. Merci beaucoup. Quoi? C'est bon à savoir. Merci. Que quelqu'un m'aide. J'arrive à combiner là. Tu sais, si je me rappelle bien, t'étais un bon gars avant, rappelle-toi. Alors, Bitter Giggle, qu'est-ce qui t'est arrivé pour être aussi agressif? Être dans cet environnement m'a rendu fou. Mais il est énervé, dis donc. Faut pas traîner. C'était chaud. Pourquoi t'es devenu comme ça? Docteur, je te conseille de sauter. Tu arrives à temps, chérie. Je t'aime bien. Merci. Tu vois, Bitter Giggle me poursuivait et du coup... mais qu'est-ce qui t'arrive là? Tu me fais peur. On va de surprise en surprise. C'est quoi ça? Bitter Giggle, il m'a pas oublié. Un petit plus. Faut sortir par là avant qu'il soit trop tôt. Par ici, allez. On dirait que je l'ai semé. Pas si vite. Je vais en finir avec toi. Viens que je te fasse un gros câlin. Je ne le ferai pas. C'était chaud. Désolé, j'y vais, hein. J'ai pas envie de me faire bouffer. Personne m'échappe à ma colère. Fais pas de bruit, player. Sors de ta cachette, player. Player, finis de se reposer. Faut y aller, là. Allez, go. Je sais que tu es là. Allez. T'es tout prêt. Toi. Tu t'es défendu, hein. Non, il est ailleurs. J'ai perdu la raison, mais pas l'intelligence. Non, ne me mange pas. J'ai pas envie d'aller dans ta bouche. Tiens, prends ça. Quelle histoire, mon pote. Okay. Il faut arrêter, Peter. Ah, pour pas vous. Épaule, Boydin.
c'est pas bon pour nous. Reste derrière moi, petit. Okay, je veux bien. Pas te faire ça, car t'es mon ami. Mais j'ai pas le choix. M'excuse. Viens, suis-moi. Je suis avec toi. Je te suis. Allez, go. Alors, on fait ton Oh, la claque. Ça doit faire mal. Il va pas ouvrir, quand même. Non, laisse-moi. Espèce de mensonge, fisque. T'inquiète, je suis derrière. Laisse-moi, toi. Laisse-moi, mon strida. Oh, shérif, qu'est-ce que tu lui as mis? C'est pas une partie de plaisir, mon ami. C'est le bitter nigger. J'ai mérité tout ça avec tout ce que j'ai fait. Mais non. Tu te rappelles des meilleurs moments? J'étais un tel désastre. Arrête, viens, c'est pas grave. J'ai encore tout foiré. Allez. Ouais, mais heureusement que c'est là, mon pote. Allez, que mange Bruce Lee? Je sais pas, des lasagnes? Non, des brocolis. Tais-toi, enfin. T'as l'air de nul, tu devrais arrêter, vraiment. Horrible. Non. Allez, te laisse pas abattre. Moi, j'ai rigolé, tu sais. Ok. Il est là. Pourquoi vous vous moquez tout le temps de moi? C'était pas mon intention de devenir un monstre. Ne me laisse pas, j'ai toujours cru en toi. Raconte-moi une dernière blague pour la route. Attends, pourquoi on bouffe pas les bouffons? Je sais pas... Quoi? Mais parce qu'ils ont un drôle de goût. Non, c'est pas possible, mon ami. Laisse-moi seul avec lui. Je vais lui faire un vrai adieu, mon pote. Nous y voilà. Dadadou doit se pointer. Le morceau du sceptre est à toi. Je suis là. Te revoilà, vieil ami. On court là ou on discute? Le sceptre était un piège. Nous devions faire ce que nous avons fait. Maintenant que le sceptre est à moi, je vais le faire payer pour tout. J'en serais pas aussi sûr. À mon armée à te guérir. Oui, monsieur. Je vais vous ordre, maître. On est là. Oh non. Non, on n'a pas le temps de réfléchir à un plan. On doit continuer. Vous croyez aller comme ça? C'était peut-être pas le super plan de courir. Allez, trouve une solution, là. Un plan plus intelligent. Vous êtes fous. Je ne pourrai jamais rejoindre une armée d'imbéciles. Quelle franchise. C'était pas le moment, si. Quoi? Tu vas prendre une leçon de ton meilleur ami, sœur Dazadou. Protégez-moi. Tu feras bientôt partie des nôtres. Non. J'ai du monde à sauver. C'est bien. Continue. Arrête-le, Bambalina. Vos désirs sont des ordres. Viens par ici. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Elle est fort. Va-t'en, l'araignée, là. C'est ta dernière chance. Tu ne t'approcheras pas. J'ai pas laissé deux têtes me barrer la route. C'est impossible. Oui, pour toi. Oui. Player, oui. Va aider Jumbone. Oui. Il a toujours comparé sa force à Shamataki et Tamataki. Mais ils ont toujours gagné. Il faut les arrêter. Ouais, d'accord, j'y vais. Arrêtez. Discutons un peu. Eh oh! Quoi? Ça va? Heureusement que c'est demain, comme ça! Meilleur, bravo! Vous en avez chacun pour vous? Saloperie! Allez, rentre à la maison! Finissons-en! Je n'ai pas besoin de cette armée de branques. Ça me dévoue. Tais-toi! Ah, Jumbo, t'as fait du sacré bon boulot! Player! Ah, oh, ces oiseaux! C'est le dernier jour sur cette planète, Player! Ah, j'en vois deux! Ah non, laissez-moi! Elles sont volées! Ah, bravo, je les ai fait voler! Sur champ de bataille, oui. C'est dangereux! On doit y aller! Ouais, ouais, d'accord! Que tu vois? Comme des mouches! Comment est-ce que c'est possible? Ah, bon! Je te tiens!
toi, sale lâche. Avec plaisir. Salut. Non, attends. Ah, t'arriveras jamais à me battre. Bon, là, faut l'aider, hein. Ce n'est pas nécessaire. Excuse-moi, mais là, il est en train de se faire bouffer, là. Laisse-moi. Non, fais-lui confiance, c'est tout. Ok, bah, je vais l'encourager quand même. Vas-y, Jumbo, tu peux le faire. Tellement facile. Il est fort. Accepte ton destin. Allez, Jumbo, n'abandonne pas, vas-y, donne Meilleur, tout. D'ailleurs, je t'ai toujours aimé. Je me rappelle, tout le temps qu'on a passé, c'était de la joie pure. Je vais perdre tout ça. Je suis déçu. Je ne laisserai pas ça arriver. J'ai une idée. Si tu gagnes, tu as droit à un brocoli. Ah, du brocoli? Finis-en. Vos désirs sont des ordres, mon maître. Désolé, je dois manger du brocoli. Quoi? C'était magnifique, Jumbo. Jumbo, nous sommes des amis, n'est-ce pas? Non. Non, non. Hey, pour ce que t'as fait. Je vais essayer de supprimer mes amis. Ah, j'espère que ça te servira de leçon. Et le grand vainqueur est... Jumbo Joe. Ah, du brocoli. Non, ne mange pas le sceptre. Jumbo Joe, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est terminé? Mais... où on est? Le plan a marché, mais maintenant Jumbo est surpuissant. Ah, mince, je peux pas le croire. D'abord, tu dois te reposer, on parlera après. Ok, Sir Anjon, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Pourquoi Ban Ban est bleu, ici? Ce ne sont pas tes affaires, arrête ça! Laisse-moi voir. Ah, Sir Anjon, mais qu'est-ce qui se passe? Tu me caches quelque chose? Ne joue pas avec le diable, enculé de ça!